Cette semaine en découverte sur DH Radio, un Théophile Renier avec ce single, Tu ne sais pas. Souffle, fais court quand tu es dans mes bras. Tes courbes, tes doutes, ton odeur et puis ta voix. Tu sais pas, mais moi je ne pense qu'à toi. Maintenant qu'on se l'est remis dans l'oreille, on fait connaissance avec Théophile Renier, donc à ne pas confondre. Bonjour Théophile. Bonjour. Pas une création de The Voice, même si tu l'as gagné l'année dernière, parce que ton parcours date déjà de bien avant ça. Bah tout à fait, la construction elle se fait depuis que j'ai 5 ans, que j'ai commencé les cours de musique en cours privé, puis en académie, ouais. puis avec un groupe qu'on avait formé avec des amis, avec lequel on avait tourné pendant quelques années. Puis c'est tout un parcours qui a été plus médiatisé lors de l'émission de The Voice, mais qui a commencé il y a longtemps. C'est un accélérateur, quoi. Moi, The Voice, ça m'a beaucoup apporté, notamment le fait de me dire que j'allais plus faire que de la musique maintenant et que quoi qu'il arrive, j'allais continuer et faire des chansons et me produire. 5 ans, c'était quoi le déclic pour que tu te mettes à la musique? C'est tes parents avec un coup de règle sur les doigts, maintenant tu vas apprendre le piano? C'est plus ou moins ça, sauf qu'il n'y avait pas le coup de règle sur les doigts. Et oui, c'est ça. Moi, je suis issu d'une famille de 6 enfants, je suis le 5e. Et on a tous commencé quand on avait 5 ans, plus ou moins. Et ça, je remercierai jamais assez mes parents pour ça, parce que c'est un beau cadeau qu'ils nous ont fait. Ici, c'est un premier single qu'on a en découverte cette semaine sur DH Radio de Théophile Renier, Tu ne sais pas. C'est pas ta première chanson? Non, c'est pas ma première chanson. C'est pas ma première chanson. Il y en a combien qui sont restés dans le tiroir alors? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ici, c'est le choix de partir sur celle-là parce que c'était une qui me tenait particulièrement à cœur, que j'apprécie particulièrement parce qu'elle est assez ambivalente dans le sens. T'es auteur, compositeur et interprète. Mais tu joues plein d'instruments différents en fait, c'est ça? Ce qu'il y a, c'est qu'avec le piano et les nouvelles technologies, notamment les logiciels comme Logic Pro, Ableton, Pro Tools, on peut jouer tous les instruments qu'on veut avec un clavier de piano. Donc ouais. Moi, je me cantonne au piano, mais se cantonner, c'est un peu faible comme terme parce que le piano, ça ouvre les portes pour tout en fait. Un premier single qui vient de sortir, donc Tu ne sais pas, qui est en découverte cette semaine sur DH Radio. On a déjà une petite idée du calendrier pour la suite. Qu'est-ce que tu nous prépares? Ce que je prépare, c'est de nombreuses chansons. Maintenant, j'ai pas vraiment de date pour la suite. Ouais. Maintenant, tout ce que je peux dire, c'est que Tu ne sais pas sur toutes les ondes. Et c'est déjà un super chouette pas. Ouais. Et puis maintenant, moi, je fais plus que ça. Donc, du coup, ça avance. Ouais. Et puis, on se tient au courant. Donc, il s'est passé un an entre ta victoire à The Voice, grosso modo, et la sortie du single. Hein, mais il se passera pas un an avant qu'il y ait la suite, quoi. Parce que maintenant, ça y est, c'est... Non. Maintenant, là, on est sur les rails et on fonce. Bon. Merci, Théophile Renier. Merci à vous. Bonne continuation. C'est très gentil, merci. Au revoir. Au revoir.